Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'événement aujourd'hui? Ah, c'était fantastique. Oui. Les enfants ont vraiment pu connaître la musique et la danse de l'Indonésie. Et c'est tout à fait différent que la musique chez nous. Et oui, j'ai trouvé une bonne occasion pour voir ça et venir ici. Et... Non, c'était magnifique. D'accord. Est-ce que vous étiez en Indonésie? Ou est-ce que vous étiez déjà en Indonésie? Non, je ne suis jamais allée. Mais comme on a fait le projet avec notre école pour Europalia, je dis bah, c'est une opportunité pour découvrir ça. Bien sûr. Donc vous allez peut-être un jour voyager ou découvrir l'Indonésie, oui, c'est ça? Oui, peut-être, oui. Parce que maintenant, j'ai envie, oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous trouvez la musique indonésienne et l'instrument? Vous trouvez, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est... C'est différent que la musique occidentale. D'accord. Oui. Alors, pour nous, c'est compliqué, mais c'est comme ça, c'est bon qui voit qu'il y a des différentes sortes de musique autour du monde. Oui, mais je trouve qu'ils ont très bien fait pour la première fois, ça va. D'accord. Donc, est-ce que vous avez un petit peu de connaissance de la culture indonésienne avant? Moi, non, en fait, non. D'accord. Parce que, non, en Belgique, on n'a pas le lien comme aux Pays-Bas. D'accord. Ils ont le lien avec l'Indonésie, mais nous, pas du tout, en fait. Alors, c'était tout nouveau pour moi aussi. D'accord. Donc, peut-être un jour, si on organisera un autre événement pour présenter un petit peu notre voilà, la culture et la musique, la danse, est-ce que vous serez là aussi pour être présent? J'aimerais bien de revenir avec mes classes. Oui, avec les enfants, tout oui, ça. Oui, c'était très intéressant pour eux. D'accord. Oui. Est-ce que vous trouvez que les enfants vont aussi faire revenir et ils ont aussi l'intérêt de... J'espère. Hein, oui, j'espère. Oui. Je vais leur demander, oui. D'accord, bon. Merci beaucoup. De rien. Merci, Adam.